Alléluia, alléluia, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'heure de notre programme des 70 jours de jeûne et prière du ministère de la montagne de feu et de miracles 2021. La bataille de la prière 2. Amen. Tendre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants, ô Dieu très saint. Papa, tu nous as fait grâce d'être en bonne santé, ô Père. Tu nous as fait grâce d'avoir la force, la capacité de faire tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Merci Seigneur, toi qui nous as épargné du danger, tu nous as protégé, toi notre protecteur. Sois célébré, sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le pain de ces jours. Merci Seigneur pour l'eau de ces jours. Ta parole est dans nos vies, merci Seigneur. Sois célébré, sois magnifié pour toutes les bienfaiteurs que tu avais mis sur nos chemins. Sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu, nous venons, je viens implorer ta miséricorde, car nous n'avons pas fait devant toi, Seigneur. La parole nous dit que tous sont péchés et sont privés de ta gloire. Père, dans le nom puissant de Jésus, pardonne-nous, Seigneur, afin qu'on ne soit pas privé de ta gloire, ô Dieu. Lave-nous par le sang de ton Fils, Jésus-Christ Nazareth. Oui, Père, laisse que la puissance du sang de Jésus ôte les péchés en nous. La puissance du sang de Jésus nous purifie, ô Père. Et la puissance du sang de Jésus nous rachète des puissances du péché dans le nom de Jésus. Oui, la parole me dit, Seigneur, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Laisse que ce sang parle à notre faveur, que le sang de Jésus est la voix de l'accusateur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle de nos corps, de nos âmes. Oui, Saint-Esprit, maîtrise-nous. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, réveille-nous de toi, Saint-Esprit de Dieu. Entoure l'atmosphère, l'endroit où nous sommes. Sature l'atmosphère, remplis ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Afin que toutes tes présences qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu, fassent prendre fuite dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, change nos maisons en feu, plus fort que la fournaise ardente, afin que ça devienne des zones interdites aux démons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 156 nous dit ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Papa, nous voulons te louer, Seigneur, puisque nous sommes des vivants. Gloire à toi, Père. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit.
Alléluia, alléluia, combien, oh Dieu, vois-tu es bon, le Dieu de Dieu, celui qui n'a ni commencement ni fin, oh Jéhovah, celui qui fait des choses, des prodiges, qui dépassent l'entendement de l'homme, oh Jéhovah, c'est toi qui fendas la mer en deux, oh Père, et tu as englouti, Seigneur, le pharaon et sa cavalerie. Le Dieu de Sarah, tu n'as pas d'égal, oh Jéhovah. Toi qui as fait qu'une vierge puisse donner naissance, le Dieu de Marie, tu n'as pas d'égal, oh Yahweh. Le Dieu d'Anna, ah, celui qui change éternel, oh Dieu. Papa, les pleurs en rire, Yahweh, te bénissons, Seigneur. Le Dieu de Ruth, oh, de la malédiction, papa, tu l'as fait bénédiction, oh Jéhovah. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté, celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Le Dieu de toutes les possibilités, Jéhovah, celui qui nous élève. Oh, papa, c'est toi, Yahweh, c'est toi qui abaisse les orgueilleux, éternel, oh Dieu. Sois béni, sois exalté, toi notre protecteur, c'est toi qui fais un chemin dans le désert, oh Jéhovah, sois béni, sois célébré, toi le pourvoyeur, oh Dieu, c'est toi qui as pourvu de la nourriture, oh Papa, dans le désert, le Dieu qui a fait descendre la caille et la manne, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons, éternel, oh Dieu, toi qui as fait jaillir de l'eau dans le rocher, oh Papa, nous t'exaltons, toi qui écoutes, qui exauces les prières. Combien tu es grand, combien tu es amour, combien tu es tout puissant, Seigneur. Combien tu es capable, Seigneur, de bénir, oh Papa. Comment tu es capable de confondre les ennemis, oh éternel, oh Dieu. Nous te bénissons, oh Père. Nous t'exaltons, éternel, oh Dieu. Tu es vivant, tu es tout puissant, oh Père. Qui peut décrire l'éclat de ta beauté, oh éternel Dieu. Papa, nous t'exaltons, tout ce que tu crées est plus que parfait. Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Toi qui nous as offert ton fils Jésus-Christ. Tu es amour, tu es amour, tu es amour. Merci pour les soins de l'amour. Oui, Christ Jésus, l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché, oh Papa, merci d'avoir accepté de quitter ton trône, prendre mon identité, mourir à la croix pour me sauver, pour me racheter à ton, pour ton Dieu et Père. Merci mon Père éternel, sois élevé mon ami fidèle, sois élevé mon roi, mon Seigneur, tu règnes, oh Jésus. C'est toi qui as été élevé au-dessus de tout. Tu t'enveloppes de gloire comme un manteau. Hosanna à toi, fils de David. Hosanna à toi, le lion de la tribu de Juda. L'invincible et le redoutable, oh Papa. Quand tu régis tous nos ennemis, Papa, sois en débandade. Sois honoré, oh oui, le chef de l'armée de l'Éternel. C'est toi qui combats pour nous, oh Jésus. Au devant de nous, Jésus, nous sommes tous plus que vainqueurs. Sois magnifié, sois exalté, sois célébré. Hosanna, hosanna pour la durable. Oui, Seigneur, entre triomphalement dans nos vies, comme tu étais en toi, Jérusalem. Louange, honneur à toi, Majesté, pour les siècles des siècles. Alléluia. Éphésiens 5, 20 nous dit ceci, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. » Nous voulons rendre les actions de grâce comme il est écrit dans le manuel. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens te remercier de m'avoir attiré à la prière et à la puissance. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Merci, tendre Père, de m'avoir baptisé avec l'Esprit Saint. Merci, Papa, d'avoir rempli ma vie de dons spirituels. Oh Dieu, merci pour le fruit de l'Esprit qui me guide nuit et jour. Papa, merci pour les dons magnifiques et de louanges. Alléluia.
Papa, merci, Père, pour tous les moyens divers par lesquels tu es intervenu dans mes affaires. Papa, merci pour tous les moyens divers par lesquels tu es intervenu dans ma vie, Seigneur. Oh, Yahweh, sois exalté, éternel, oh Dieu, pour ton plan divin, Seigneur, pour ma vie. Merci, Père, pour ta promesse de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Papa, merci d'avoir amené à la maturité et à la vie profonde. Tu m'as amené à la maturité, Papa, et à la vie profonde. Sois exalté, éternel, oh Dieu, de me garder toujours en parfaite paix. Eh, Yahweh, je te remercie de me faire concourir toutes choses à mon bien. Alléluia, toi qui m'as délivré du filet d'oiseleur et de la peste et de ses ravages, Papa. Merci pour la puissance extraordinaire qui est dans ta parole, oh Dieu, et dans le sang de ton Fils Jésus. Merci, Papa, d'avoir ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Tendre Père, je te remercie d'avoir combattu tous mes adversaires. Alléluia! Toi qui me fais toujours plus qu'un vainqueur. Papa, merci. Tu me fais plus qu'un vainqueur. Alléluia! Gloire à toi, Père éternel, d'avoir pourvu à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Alléluia! À toi, le Dieu capable, Seigneur, de me guérir, Papa, mon corps, mon âme et mon esprit. Merci pour ta puissance de guérison. Et Yahweh, merci d'avoir inondé mon cœur de la lumière céleste, Père. Alléluia, Père. Merci de me triompher toujours en Christ Jésus. Gloire, gloire à toi, éternel, oh Dieu, d'avoir transformé toutes mes malédictions en bénédictions. Louange à toi pour toutes les bénédictions de la vie, Papa. Et Yahweh, sois élevé pour ta grandeur, sois élevé pour ta puissance, oh Papa, sois élevé pour ta gloire, sois magnifié pour ta justice, pour ta splendeur et pour ta bonté. Et Yahweh, merci d'avoir réduit au silence l'ennemi et les vengeurs. Merci, Papa, d'être à ma droite et je ne chancellerai pas. Alléluia! Gloire à toi, tendre Père. Je te remercie d'être guide et de confiance. Et Seigneur, de venir à mon secours. De venir au secours des tiens. Alléluia! Toi qui n'es pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Merci pour ton amour extraordinaire. Merci, Papa, pour ta grandeur, oh Dieu, car tu es digne de louange. Yahweh! Merci, tendre Père, d'avoir délivré mon âme et mes pieds de trébuchement. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as délivré mes pieds de chute. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Papa. Merci, tendre Père, d'être ma forteresse éternelle, oh Dieu, et mon refuge dans la détresse. Alléluia pour ta fidélité et pour toutes tes actions merveilleuses à mon égard. Papa, merci pour tous tes actes de puissance et ta grandeur qui est incomparable. Merci, Papa, d'avoir retiré des profondeurs de la mort. Tu m'as retiré des profondeurs du monde. Tu m'as retiré des profondeurs de l'abîme. Alléluia de me garder et d'affermir mes pas. Yahweh, je te remercie pour ton nom. Oui, Papa, qui es une grande forteresse, et le juste s'y réfugie et ils sont en sécurité. Gloire te soit rendue, puissance te soit rendue, honneur te soit rendu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Oui, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je soupire auprès de toi. C'est toi la promesse de Jésus. Viens prendre possession de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Remplis-moi de ton feu, ô Saint-Esprit de Dieu. Oui, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Quand tu es là, l'ennemi n'a plus de place. Il prend fuite par ce chemin. Même s'il venait comme un fleuve, Esprit de Jésus, remplis-moi.
Fais de moi une flamme et de feu. Oh oui, Père, ta parole déclare. Oui, Seigneur, que tu changes tes serviteurs en flamme et de feu. Remplis ma bouche de ton feu, de ta puissance. Et toutes les prières qui sortiront de ma bouche, soit les marteaux, soit ta hache, soit des flammes de feu, soit des balles de feu, des missiles de feu. Dans le nom de Jésus. Oh oui, Esprit de Dieu vivant. Remplis-moi de toi, dans le nom de Jésus. Prends possession de l'endroit. Remplis l'endroit. Remplis l'endroit de ta présence. Présence du Dieu vivant. Enveloppe-moi. Enveloppe-moi. Réveille-moi de ce manteau de feu. Dans le nom de Jésus. Soyons fermes et forts. Redoublez de courage si l'ennemi redouble d'efforts. La victoire est certaine. Amen. C'est le septième jour de notre deuxième section, Tu es mon marteau. Avant de commencer, nous allons nous protéger, assurer tout ce que nous avons de précieux dans le sang de Jésus-Christ et nous les barricadons avec les haies de feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, déconnecte-moi des ennemis mortels au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, déconnecte-moi des ennemis mortels au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, la puissance du Saint-Esprit, lève-toi. Déconnecte-moi des ennemis mortels, au nom de Jésus. Déconnecte ma famille de tout ennemi mortel, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, déconnecte ma santé de tout ennemi mortel, au nom de Jésus. Déconnecte mes finances de tout ennemi mortel, dans le nom de Jésus. Déconnecte mon mari, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, ma famille, de tous les ennemis mortels, au nom de Jésus-Christ. Amen. Piège de la maladie étrange.
tendu contre moi. Extermine tes propriétaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Piège de la maladie étrange tendu contre moi. Extermine tes propriétaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les pièges de la maladie étrange que l'ennemi a tendu contre moi. Allez d'être tes propriétaires dans le nom de Jésus. Oh oui, toutes les pièges de la maladie étrange que l'ennemi a tendu contre moi. Extermine tes propriétaires dans le nom de Jésus. Cette piège de la maladie, de la pauvreté étrange, tendue contre moi, tendue contre mon mari, ma femme, mes enfants, pour exterminer tes propriétaires dans le nom de Jésus. Cette piège, papa, du chômage étrange, tendue contre moi, extermine tes propriétaires dans le nom de Jésus. Tous tes pièges que l'ennemi a tendus contre moi, contre ma famille, extermine tes propriétaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque se rend secrètement disponible pour être utilisé par Satan afin de me détruire soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque se rend secrètement disponible pour être utilisé par Satan afin de me détruire soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance qui est dans le sang de Jésus, quiconque, toute personne qui se rend secrètement disponible pour être utilisée par les ténèbres, par le diable, par les sorciers, afin de détruire ma vie, afin de détruire ma santé, afin de détruire mes enfants, afin de détruire mon avenir, soit paralysé. Maintenant, dans le nom de Jésus, quiconque qui se rend secrètement disponible pour être utilisé par les ténèbres, afin de me détruire, oh oui, afin de m'empoisonner, soit paralysé. Afin de me rendre malade, afin de me rendre pauvre, soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je récupère par le feu ma marmite de bénédictions que les ennemis cachent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je récupère par le feu ma marmite de bénédictions que les ennemis cachent au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance dans le Saint-Esprit de Dieu, je vais récupérer par le feu ma marmite de bénédictions, mon sac de bénédictions que l'ennemi cache. Maintenant, je le récupère par force, par le feu, dans le nom de Jésus. La marmite de bénédictions de mes enfants, je les récupère par le feu, dans le nom de Jésus. La marmite de bénédictions de mon mari, de ma femme, je les récupère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a caché au nom de Jésus-Christ. Amen. Anciens méchants s'approchant de moi pour conclure leurs œuvres de la méchanceté sur ma vie, recevez les flèches de la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Anciens méchants s'approchant de moi pour conclure leurs œuvres de la méchanceté sur ma vie, recevez les flèches de la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère les flèches de la mort sur tous les anciens méchants qui s'approchent de moi pour conclure leurs œuvres maléfiques sur ma vie, sur ma santé, sur mon travail, sur mes enfants, sur mon ménage. Allez recevoir les multiples flèches de la mort au nom de Jésus. Les flèches en cascade sur tous ces anciens méchants, sur toutes les personnes méchantes qui s'approchent de moi pour conclure leurs œuvres maléfiques dans ma vie, pour conclure la maladie qu'ils ont injectée dans ma vie, pour conclure la pauvreté qu'ils ont injectée dans ma vie. Recevez les flèches de la mort et mourrez au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction secrète des anciens, détruisant mon existence, brise-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction secrète des anciens, détruisant mon existence, brise-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité
autorité dans le nom de Jésus. Avec le sang de Jésus, je vais briser toutes les malédictions secrètes des anciens qui est en train de détruire ma vie. Ah, je le brise dans le nom de Jésus. Toutes les malédictions des anciens qui est en train de détruire ma vie spirituelle, mes enfants, mon mariage et mon travail, je le brise, brise maintenant. Toutes les malédictions secrètes des anciens, oh Père, qui est en train de détruire, qui est en train de polluer mon existence, soyez brisés au nom de Jésus Christ. Amen, amen, amen. J'arrache ma prospérité des mains des ennemis jaloux au nom de Jésus-Christ. Amen. J'arrache ma prospérité des mains des ennemis jaloux au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je viens arracher ma prospérité des mains des ennemis jaloux. Maintenant, j'arrache. J'arrache mes bénédictions. J'arrache mon travail. J'arrache la bénédiction de mes enfants. La bénédiction de mon mari, de ma femme. J'arrache la bénédiction de ma famille. Je viens arracher toutes mes bénédictions. Toute ma prospérité des mains des ennemis jaloux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir jaloux enrage contre moi, devient fou au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir jaloux enrage contre moi, devient fou au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, tout pouvoir jaloux, le pouvoir envieux, enrage, en colère contre moi, devient fou. Au nom de Jésus, ce pouvoir jaloux enrage contre mon ménage, devient fou. Au nom de Jésus, ce pouvoir envieux, en rage, en colère contre mon mari, ma femme, mes enfants devient fou. Au nom de Jésus, ce pouvoir jaloux, en rage contre mon travail devient fou. Au nom de Jésus, ce pouvoir envieux, en rage contre mon élévation, ma réussite, mon succès devient fou. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, retourne la sagesse de mes ennemis contre eux dans leur cercueil au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, retourne la sagesse de mes ennemis contre eux dans leur cercueil au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, retourne la sagesse folle de mes ennemis contre eux dans leur cercueil dans le nom de Jésus. Qui retourne, Papa, leur sagesse maléfique, oh Dieu, contre eux dans leur cercueil au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir attaquant ma grâce, soyez détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir attaquant ma grâce, soyez détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité des ténèbres qui est en train d'attaquer ma grâce, soyez détruits. Au nom de Jésus, celui qui est en train d'attaquer la grâce de mes enfants, de mon mari, de ma femme, oh oui papa, qu'il soit détruit dans le nom de Jésus. Ce pouvoir maléfique qui est en train d'attaquer la grâce de ma famille, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ennemi caché, brandissant toutes mes bénédictions, soit exterminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ennemi caché, brandissant toutes mes bénédictions, soit exterminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, tout ennemi caché qui est en train de brandir toutes mes bénédictions, soit détruit, soit exterminé au nom de Jésus. Qui que ça soit, ennemi caché, qui est en train de brandir les bénédictions de mes enfants, oh Père, laisse qu'il soit détruit dans le nom de Jésus. Cet ennemi caché, invisible, qui est en train de brandir toutes les bénédictions de ma famille, de mon mari, de ma femme, de mon ménage, oh Père, laisse qu'il soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, utilise quiconque m'affligeant pour créer un grand chemin pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, utilise quiconque m'affligeant pour créer un grand chemin pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu mon Père,
Papa, lève-toi, utilise quiconque m'affligeant pour créer un grand chemin pour moi. Dans le nom de Jésus, Papa, utilise-les. Ceux qui m'affligent deviennent mon escabeau, mon escalier de grandeur. Dans le nom de Jésus, Papa, utilise quiconque, toute personne qui afflige mes enfants pour créer un grand chemin pour mes enfants. Dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, utilise quiconque qui m'afflige. Qui nous afflige pour être l'ouverture de la porte des grands chemins pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout problème survenant dans ma vie par un vent étrange meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout problème survenant dans ma vie par un vent étrange meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, tout problème, toute situation qui survient dans ma vie, par un vent étrange, laisse qu'il soit détruit. Dans le nom de Jésus, tout problème survenant dans ma santé par un vent étrange, oh Père, laisse qu'il soit détruit par le feu. Dans le nom de Jésus, tout problème survenant dans les études de mes enfants, par un vent étrange, laisse qu'il soit détruit. Dans le nom de Jésus, tout problème survenant dans mon travail, dans mes affaires, dans mon couple, par un vent étrange, laisse qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, que le monde identifie ce qui me tourmente avec le pauvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, que le monde identifie ce qui me tourmente avec l'opprobre au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, laisse que le monde identifie toutes les personnes qui me tourmentent avec l'opprobre dans le nom de Jésus. Ce qui tourmente ma vie, laisse que l'opprobre soit leur partage au nom de Jésus. Ce qui tourmente ma santé, oh Père, laisse que l'opprobre soit leur partage. Oui, Père, change leur identification, change leur identité, oh Père, laisse qu'ils soient identifiés par l'opprobre, la honte, l'humiliation, ce qui me combat, ce qui tourmente ma vie, ce qui tourmente mon travail, ce qui tourmente ma famille, qu'ils soient tourmenté, identifié par l'opprobre, au nom de Jésus-Christ. Que l'opprobre soit sur leur front, leur marque d'identification, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi, et que la paix d'esprit soit une denrée rare dans la vie de mes ennemis méchants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et que la paix d'esprit soit une denrée rare dans la vie de mes ennemis méchants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, lève-toi. Laisse que la paix d'esprit soit une denrée rare dans la vie de tous mes ennemis méchants, dans le nom de Jésus. Que le manque de paix soit leur nourriture. Manque de paix sans cesse. Sois leur nourriture, ceux qui ont volé ma vie, les esprits méchants, les ennemis méchants, oh Dieu. Laisse que la paix soit une denrée rare, un produit rare dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir utilisant ma gloire pour survivre, soyez anéantis de manière soudaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir utilisant ma gloire pour survivre, soyez anéantis de manière soudaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité qui utilise ma gloire pour survivre, soyez anéantis dans le nom de Jésus. Oui, d'une manière soudaine, subitement, dans le nom de Jésus, ce pouvoir qui utilise la gloire de mes enfants pour survivre, qu'il soit anéanti subitement, dans le nom de Jésus, ce pouvoir qui utilise la gloire de ma santé, de mon travail, de mon mari, de ma femme, oh Dieu, laisse qu'il soit anéanti subitement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, détruis les ennemis de ma liberté, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ô Seigneur, détruis les ennemis de ma liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, mon Père, lève-toi. Détruis les ennemis de ma liberté. Détruis-les, Seigneur. Les ennemis de ma paix. Seigneur, détruis-les au nom de Jésus. Les ennemis de ma bonne santé, ô Dieu, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Détruis les ennemis de mon repos, ô Dieu. Détruis-les dans le nom de Jésus. Les ennemis de mes enfants, ô Père, détruis-les toutes dans le nom de Jésus. Les ennemis de mon ménage, de mon mari, de ma femme, les ennemis de ma famille, Papa, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes prochaines percées réduiront au silence tous mes ennemis et détruiront leurs œuvres contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes prochaines percées réduiront au silence tous mes ennemis et détruiront leurs œuvres contre ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que mes prochaines percées vont faire taire tous mes ennemis et détruiront leurs œuvres contre ma vie. Dans le nom de Jésus, mon élévation va faire taire mes ennemis. Oh oui, et détruiront leurs œuvres contre ma vie, contre ma maison, dans le nom de Jésus. Oh oui, ma réussite, la réussite de mes enfants, la réussite de mon travail, de mes affaires, réduiront au silence tous mes ennemis, tous les ennemis de ma famille, et détruiront leurs œuvres contre ma vie dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, le mariage de mes enfants réduiront au silence tous nos ennemis et détruiront leurs œuvres contre leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Flèches des ennemis qui ont jusqu'ici œuvré contre moi sans arrêt soient consumées par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Flèches des ennemis qui ont jusqu'ici œuvré contre moi sans arrêt, soyez consumés par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère le feu dévorant sur toutes les flèches des ennemis, oh oui, qui ont jusqu'ici agi contre moi, contre ma santé, contre mes finances sans arrêt, contre mes enfants, leurs études sans arrêt, contre mon mari, ma femme et ma famille sans arrêt, oh Père. Laisse qu'ils soient détruits maintenant par le feu consume ces flèches des ennemis, ces flèches maléfiques de la maladie, de la pauvreté, ces flèches de la limitation, ces flèches de célibat qui ont jusqu'ici œuvré, agi contre moi, contre ma famille, sans arrêt. Soyez consumés par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les ennemis qui œuvrent présentement dur pour remplir ma destinée de bataille, mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Les ennemis qui œuvrent présentement dur pour remplir ma vie, ma destinée de bataille, mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, oui, tout ennemi, tous mes ennemis qui œuvrent présentement dur, qui travaillent durement pour remplir ma santé, pour remplir ma destinée de bataille, pour remplir mon ménage de bataille, pour remplir la destinée de mes enfants de combat, mourez, 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 au nom de Jésus. Ces ennemis qui travaillent présentement dur maintenant pour remplir ma vie, pour inonder ma vie de problèmes et de combats, mourez au nom de Jésus-Christ. Malédiction de l'Éternel localise ceux qui sont déterminés à me pousser hors du chemin de mes bénédictions. Amen. Malédiction de l'Éternel localise ceux qui sont déterminés à me pousser hors du chemin de mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, laisse que la malédiction de l'Éternel localise toutes personnes déterminées à me pousser
loin de mon chemin de bénédiction. Dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent la malédiction de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, toute personne, tout esprit, toute personnalité qui veut m'éloigner du chemin de mon mariage. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient frappés de la malédiction de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, toute personne, tout esprit qui veut m'éloigner du chemin de mon bonheur, de ma réussite et de ma joie, qu'ils soient frappés, localisés par la malédiction de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Suir, assigné à me renverser, expire avec ton contenu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Suyure assignée à me renverser, expire avec ton contenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que tout suyure envoyé pour me renverser expire avec son contenu dans le nom de Jésus. Que ça termine maintenant. Cette suyure assignée à me renverser, à renverser ma famille, à renverser mes affaires. Oh Père, laisse qu'il expire avec son contenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, tue tout ce qui m'éloigne de la sécurité céleste au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, tue tout ce qui m'éloigne de la sécurité céleste au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, lorsque la malédiction de l'Éternel tue, détruit toutes les personnes qui m'éloignent de la sécurité céleste, dans le nom de Jésus. Oh oui, toutes les personnes qui éloignent mes enfants de la sécurité céleste. Oh Père, laisse que la malédiction de l'Éternel les détruise, les tue, dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui éloignent mes affaires, mon mariage de la sécurité céleste, laisse que la malédiction de l'Éternel les tue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, détruit ceux qui veulent que mes vers pâturages flétrissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, détruit ceux qui veulent que mes vers pâturages flétrissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, laisse que la malédiction de l'Éternel détruise toutes les personnes qui veulent à me faire pâturage, à mon travail. Oh Père, celui qui veut que mon travail soit détruit, Père, laisse que la malédiction de l'Éternel les localise, les détruise dans le nom de Jésus. Ceux qui veulent que le travail de mes enfants, oh Papa, puisse flétrir. Oh Père, laisse que la malédiction de l'Éternel les détruise dans le nom de Jésus. Ceux qui veulent que mon mariage puisse flétrir. Oh Père, laisse qu'ils soient frappés de la malédiction de l'Éternel dans le nom de Dieu. Ceux qui veulent que ma santé flétrisse, oh Père, laisse qu'ils soient frappés de la malédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel engloutit tous ceux qui veulent que je sois vu et rejeté par les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel engloutit ceux qui veulent que je sois vu et rejeté par les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, laisse que ta malédiction engloutisse ceux qui veulent que je sois vu et rejeté par les gens. Dans le nom de Jésus, toutes les personnes, tout esprit, toutes les personnalités qui veulent que je sois vu et rejeté par les gens. Laisse que la malédiction de l'Éternel les frappe, les engloutisse tous. Dans le nom de Jésus, ceux qui veulent qu'on voie mes enfants et après on les rejette. Oh Yahweh, laisse que ta malédiction les engloutisse tous. Dans le nom de Jésus. Ceux qui veulent que mon mari, ma femme, mes frères et sœurs, mes parents soient vus et rejetés par les gens, laisse que la malédiction de l'Éternel les engloutisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, réduis au silence les cris de guerre de mes ennemis sur ma destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, réduit au silence les cris de guerre des ennemis sur ma destinée au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh oui, Seigneur, laisse que la malédiction de l'Éternel réduise au silence les cris de guerre de mes ennemis sur ma destinée. Dans le nom de Jésus, malédiction de l'Éternel, fais taire les cris de guerre de mes ennemis sur ma santé. Oui, Éternel, laisse que la malédiction les fasse de terre. La malédiction de l'Éternel fasse taire tout cri de guerre contre ma santé, contre mes avoirs, contre mon mari, ma femme, contre mon travail. Laisse que la malédiction de l'Éternel fasse taire à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, déchire la gorge de l'ennemi qui boit le sang de ma gloire comme l'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Malédiction de l'Éternel, déchire la gorge de l'ennemi qui boit le sang de ma gloire comme l'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, laisse que la malédiction de l'Éternel frappe, déchire la gorge de tous mes ennemis qui boivent le sang de ma gloire comme l'eau. Dans le nom de Jésus, qui que ça soit, celui qui boit le sang de ma prospérité, le sang de ma santé comme de l'eau, oh Père, laisse que ta malédiction le localise, oh, et déchire sa gorge. Déchire leur gorge au nom de Jésus. Celui qui boit le sang de mes efforts, de mon travail comme de l'eau. Le sang de la destinée de mes enfants comme de l'eau. Le sang de la destinée de mon mariage, de ma femme et de mes frères et sœurs comme de l'eau, oh Père. Laisse que ta malédiction les localise. Oh oui, ça déchire leur gorge au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir des ténèbres, entreprenant la mission de la cruauté à cause de moi, récolte la double destruction au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir des ténèbres, entreprenant la mission de la cruauté à cause de moi, récolte la double destruction au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je libère la double destruction de l'Éternel. Sur tout pouvoir des ténèbres qui entreprend la mission de la cruauté, de la méchanceté, à cause de moi, dans le nom de Dieu, qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Oui, Père, la double destruction sur leur mission de cruauté sur ma vie. Dans le nom de Jésus, ce pouvoir des ténèbres qui travaille, qui entreprend la mission de la cruauté, de la méchanceté à cause de moi, oh Dieu. Papa, laisse qu'il récolte la double destruction au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, merci. Puisque ta malédiction a détruit ceux qui voulaient un autre vers pâturage et flétrisse. Au nom de Jésus. Merci. Puisque ta malédiction a englouti tous ceux qui ont voulu à nos vies, ô Père. Ceux qui voulaient qu'on soit vu et rejeté par des personnes. Dans le nom de Jésus. Merci, Éternel, ô Dieu. Puisque, ô Papa, tout problème survenant dans nos vies par un vent étrange a été détruit dans le nom de Jésus. Merci puisque ces anciens méchants s'approchant de nous pour conclure leurs œuvres maléfiques sur nos vies ont reçu les multiples flèches de la mort dans le nom de Jésus. Merci Éternel, oh Dieu, puisque toutes les personnes qui seront en secret disponibles pour être utilisées par Satan afin de nous détruire a été paralysé à mort dans le nom de Jésus. Merci, puisque toutes les flèches des ennemis qui jusqu'ici agissaient contre nous sans arrêt, Papa, ont été consumées par ton feu dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ces pouvoirs qui attaquaient nos grâces ont été détruits maintenant dans le nom de Jésus. Merci. Puisque la malédiction, ô Père, a localisé ce qui était déterminé à nous pousser hors du chemin de nos réussites. Dans le nom de Jésus. Je te bénis. Nous te bénissons, Éternel, ô Dieu, pour la force, l'endurance. Merci pour le ministère angélique qui était à l'œuvre. Ô Père, ils sont montés avec nos requêtes et descendus avec notre délivrance. Amen.
Merci puisque nous venons couvrir la délivrance, les exaucements de nos prières dans les lacs de sang de Jésus. Et nous les barricadons avec les nuées de feu au nom de Jésus. Pour tout pouvoir, tout esprit, toutes tes personnalités en colère, jaloux, qui essaieraient de nous réclamer nos réponses, laisse que le feu consumant, Papa, les consume au nom de Jésus. Il n'y aura ni regroupement, ni renforcement de l'ennemi contre nous à cause de nos prières au nom de Jésus. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Que l'Éternel